Salut, c'est Sundard et bienvenue pour le live découverte de la démo du jeu The Darkness 2, un jeu qui sortira le 10 février 2012 sur PC, Xbox 360 et PS3, que vous pouvez d'ores et déjà précommander sur Steam. Même si je vous déconseille fortement les précommandes, j'ai failli précommander Duke Nukem Forever, et vu l'ignoble chose auquel nous avons eu droit après 14 ans d'attente, je me suis félicité de ne pas l'avoir fait. Donc pour ceux que ça intéresse, ceux qui précommanderont le jeu auront droit à une édition limitée du jeu contenant le téléchargement gratuit des volumes 1 et 2 du comics, parce que ce jeu est tiré d'un comics. Ils auront droit aussi à une tenue additionnelle pour le Darkling. Je sais pas du tout ce que c'est le Darkling, peut-être que nous avons la possibilité de diriger plusieurs personnages dans ce jeu, je n'en sais absolument rien. Vous aurez aussi le droit à deux améliorations de compétences. L'une vous procure des bonus pour dévorer des cœurs. Et le deuxième, un radar qui localise les objets cachés dans le jeu. Voilà, tout ce que vous aurez dans l'édition limitée si vous précommandez le jeu avant le 10 février 2012. Alors c'est un jeu que je n'attends pas du tout. J'ai téléchargé la démo et puis je me suis dit pourquoi ne pas en faire... J'ai un bug de cerveau là. Pourquoi ne pas en faire un test, un live découverte avec vous. Voilà, donc c'est parti, j'appuie sur entrée, car je vais y jouer au clavier, sauf si le jeu est fait pour est optimisé pour le pad, je prendrai mon pad, il n'y a pas de problème. Alors les options affichage, alors là déjà la résolution est bizarre. Je vais laisser comme ça parce que je sais que si je change la résolution il y a mon fraps qui va planter, donc désolé. Plein écran, ok, bon, voilà. Décalcomanie dynamique. Je sais pas du tout ce que c'est, je vais laisser ça comme ça. Ah merde! Ah merde, j'ai mis appliqué. J'espère que ça a pas fait planter frappe, tant pis. Attendez, comment je sors de là? Ok, donc, les commandes. C'est la première fois que je télécharge une démo. Voilà, c'est une grande première pour moi, une démo sur PC, sur Steam. Donc je suis pas trop habitué à la chose, même si je suis habitué aux jeux récents. Attention, hein, je suis pas que rétro gamer, je vous rassure. Alors sensibilité de la visée, je vais laisser ça comme ça. Aide à la visée manette. Étant donné que je joue pas à la manette, je touche pas. Commande pour gaucher, non. Configuration des commandes, alors ça. Ah. D'accord, je peux pas changer ça forcément. D'accord. Configuration des commandes et on peut pas changer les commandes. D'accord. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Visée précise, utiliser, recharger, tirer, poigne du bras du démon. Ok. Lancer, balafre du démon, nuée, sauter, tourner, regarder. Ouais, bon, bah, tout ça on verra in-game. Parce que là, je sais pas du tout ce que c'est. Alors audio, j'y touche pas. Le jeu. Alors, voyou, gangster. Tueur à gage ou parrain. Ok, mais je vais laisser sur gangster, j'imagine que c'est normal. Facile, moyen, enfin difficile et ultra hardcore. Je vais laisser en gangster. Les astuces. Alors si c'est trop assisté, je vire. Hein. Les sous-titres, je vire. Je vire toujours les sous-titres, je joue jamais avec les sous-titres. Allez, c'est parti, on commence la démo. Et je vous laisse avec l'introduction du jeu. Si introduction il y a. Ce contenu a été conçu à des fins de démonstration et n'apparaîtra pas dans cet ordre. Et j'ai pas eu le temps de lire. Mon père m'a dit un jour, on n'échappe pas à son destin, mais tu peux toujours essayer. Je m'appelle Jackie Estacado. Quand mon destin m'a rattrapé, j'ai reçu un pouvoir sans limite. Énorme. Si puissant qu'il m'a consumé. Mais même avec un tel pouvoir, j'ai pas pu sauver celle que j'aimais. Il revient à lui. Mais qu'est-ce que vous faites? Il se réveille. Bah ça commence bien. Bien. Qu'il reste concentré. J'aime le toucher. Il est collant. Reprends ta tâche, mon frère. Une fois le transfert terminé, nous aurons ce que nous voulons. Je tiens à préciser ceci. J'aurais vraiment préféré qu'il y ait un autre moyen, Jackie.
Mais nous avons tous des choix à faire et c'est ton tour. C'est toi l'enfoiré qui a voulu nous buter au restaurant, hein ? Contente-toi d'écouter et ferme-la. Tu détiens quelque chose qui a été perdu il y a longtemps. Une chose qui ne t'appartient pas. Aujourd'hui, tu as le choix de te racheter. Ce qui t'arrivera n'a pas d'importance. Une seule chose m'intéresse. Je veux le Darkness ! Il veut le Darkness. Écoute, c'est pas le moment de déprimer. Viens, boss, ta table habituelle est prête. Y'a les jumelles qui t'attendent. Super. Enrico, ça y est, je t'ai eu tes billets pour le match. Ah, je peux bouger la caméra déjà. Alors la première chose qui me frappe dans le jeu déjà, c'est le chara-design des persos. Franchement, j'adore. Hein. C'est vraiment excellent. Je suis fan de cel shading. Par exemple, Zelda Wind Waker ou encore le FPS 13. Ben, moi j'adore. Voilà, moi j'adore le cel shading. Et là, je suis agréablement servi. Hein. C'est vraiment excellent. Désolé, Gaston. Bonjour, mesdames. Bon appétit. Merci. Ah ben, c'est sympa. L'accueil est chaleureux. Tu te souviens de nous, au Candy Club ? Oui, oui, je vous ai vu dans un précédent jeu. Mais oui, allons. Avec un certain Duke. Tu es le premier déçu. Oh putain. Jackie, baisse-toi ! Eh sérieux, l'animation est vraiment excellente. Hein. Et bien voilà. Bah c'était une démo très courte, hein, c'était sympa. Alors là je me réveille. Je peux toujours pas jouer. Jackie, écoute-moi. Je vais t'emmener. Ah non non, c'est excellent quoi. Oh là là. C'est énorme. Ok, alors là je peux jouer. Alors ça commence bien, on me tire dessus. Toi, tu dégages. Viens dans les ténèbres. D'accord. Alors là je suis traîné par mon pote là. Parce que je suis blessé. Attention. Alors, on peut viser. Non, on va viser. Voilà. Et pour l'instant c'est facile. J'aurais peut-être dû mettre en parrain. Putain. Il est où? Je le vois pas. Putain, il est là. Dégage. Bon, évidemment, c'est du rail shooter. Hein. Voilà, je ne bouge pas. Je dois juste tirer sur les cibles. Il y a la génération de vie, voilà, donc il n'y a pas de medikit. C'est un jeu à la Call of, et puis voilà. Petite seconde, je dois reprendre mon souffle. C'est vraiment énorme. C'est marrant parce qu'il y a quelques mois de cela, ce genre de jeu, j'aurais craché dessus. J'ai pas fait de sport depuis les semaines. Parce que moi, la régénération de vie, franchement, je suis pas fan. Hein. Moi, je suis vraiment... Fan de FPS à l'ancienne, quoi, avec les medikits et tout ça. Et puis en y réfléchissant bien, imaginez un Call of avec des medikits, quoi, ce serait vraiment ridicule. Donc tout compte fait, voilà, j'aime bien les FPS récents. Un petit Call of, bon, écoute, un petit solo de Call of, ça fait pas de mal, voilà. On peut essayer de l'atteindre, mais faut que tu prennes les deux flingues. Et c'est quelque chose que je n'aurais jamais dit il y a quelques mois, hein, franchement. Attention, alors là j'ai les deux flingues. Avec les deux boutons de la souris, donc clic droit, clic gauche, ben j'utilise les deux flingues. Alors lui... tu te caches, mais je te vois quand même. Putain, c'est super bien fait, quoi. Franchement, la maniabilité est vraiment excellente. Ben là, je peux rien faire. Cinématique. Ça sent le gaz. Mind-toi, Billy. Alors, est-ce que je peux tirer si ça sent le gaz? Non. Phoenix. Non ! Oh putain, je brûle. J'espère que c'est pas fini, hein.
tu es trop idiot pour donner au Darkness la crainte et le respect qu'il mérite. Alors j'ai vu qu'on pouvait changer la difficulté en cours de partie, et ça c'est plutôt bien. Et déteste l'idée d'un homme intelligent pouvant le contrôler. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Je vais augmenter la difficulté juste pour voir. De ton plein gré. Et si tu venais le prendre toi-même, puisque t'es un putain de génie ? Si tu lisais autre chose que des bandes dessinées et des menus, tu saurais qu'il y a des règles. L'hôte doit choisir d'abandonner le Darkness. Je crains de devoir t'aider à faire ce choix. Monsieur Pivish, si vous voulez bien... Regarde, beau gosse. C'est le film de ta propre mort. Le Darkness t'a montré le meurtre de Jenny. Ton premier acte important en tant qu'hôte fut un acte de soumission. Admets-le, Jackie. Tu ne contrôles pas le Darkness, jamais tu ne pourras. Il vaut mieux le rendre à ceux qui savent le faire. Le flux d'essence sombre qui coule dans le siphon me dit que tu penses déjà à abandonner. Voyons si je peux donner un petit coup de pouce à ton libre arbitre. Je sais même pas ce que c'est le Darkness. Peut-être qu'on le verra ici, je sais pas. Utilise mon pouvoir ou meurs. Donc j'imagine que c'est le pouvoir du Darkness, j'en sais absolument rien du tout. Je suis ton salut. Utilisez W pour avancer. Ah ouais, c'est la touche Z quoi, c'est un QRT. Je respire encore, fils de pute. Allez, viens par ici. J'ai une surprise pour toi. Rejoins-moi. Excellent. Oh putain, c'est quoi ça? C'est moi ça? C'est énorme. Attendez, je peux faire... Ah oui, d'accord, je dois appuyer sur E. Ouais, donc c'est... Oh putain. C'est énorme. Bon, généralement, je suis pas fan de QTE, mais bon, je vais pas commencer avec mes a priori à la con. Alors, la touche 1, appuyez, parler à Vinny. Qu'est-ce qui se passe, Vinny ? Vinny l'ourson. C'était qui ? J'en sais rien, boss. Vraiment. Après l'explosion, tout ce que j'ai vu, c'est un type qui traînait la patte, des mecs vraiment pas nets, mais j'ai reconnu personne. Il est parti où, cet enfoiré ? Ils se sont barrés par la ruelle. Le reste de nos hommes est devant. Tu peux aller les rejoindre dans la rue. Bah, je vais rester là, j'ai besoin de souffler un peu. Vas-y, massacre-les, Jackie. D'accord. Alors, juste une chose avant. C'est quoi ça, les reliques? Ok, j'ai trouvé une relique, apparemment. Ah non, zéro. Je sais pas. Je sais pas ce que c'est, les reliques. Ce que je vais faire, c'est changer la difficulté. Alors, on va mettre un cran au-dessus, quand même. Ça, c'est un truc que je fais généralement dans les jeux. Je démarre toujours par le niveau de difficulté le plus difficile. D'ailleurs, on va pas s'en priver. Hein. Voilà, par. Je commence toujours par le plus difficile et puis je baisse la difficulté. Tous les autres sont dans la rue, boss. Appuyez sur backspace. C'est quoi backspace? Ok, retrouvez vos hommes à l'extérieur du restaurant. Ah non, hein. Ah non, 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 je veux pas de... Oh non. Je veux pas être assisté, quoi. Appuyez sur Q pour attraper les objets en surveillance. Est-ce qu'il y a un objet en surveillance? Ah ouais, d'accord. Et je lui balance. Empalement. D'accord, je prends les objets et je leur balance. Énorme. Bon, pour l'instant, c'est facile. Heureusement que je l'ai mis en parrain. Nanana. Ok, bouton du milieu. La balafre du démon. Est-ce qu'on peut détruire des trucs? Non. Maintenez, nanana, ok. Putain, ça c'est nouveau ça. Maintenir le bouton du milieu appuyé et faire vers le haut avec la souris. Sur les côtés. Franchement, c'est génial ça. Je sens la précommande. Pour l'instant, j'aime bien. Graphiquement, c'est excellent. Eh, mais...
Allez, on va tester la balafre du démon. Excellent. J'ai déjà vu ce tag quelque part. C'est un tag célèbre, ça, non? Putain. Dégage, toi, je suis en train de... Non, tu te relèves pas. Tu ne te relèves pas. Alors, est-ce que je peux casser la planche? Ah, je peux plus utiliser le bras? Oh! Je peux plus utiliser le bras du démon. D'accord, alors comment je fais maintenant? Appuyez sur espace pour sauter. Oh, ok. Cette ah, c'est revenu apparemment. Jenny? Hé, hey, attends! Attendez, j'ai eu une vision là. Appuyez sur Q pour arracher. Non. Attendez, je dois appuyer plusieurs fois peut-être. Voilà. Alors désolé, je suis pas très à l'aise en fait dans la présentation de cette démo, je sais pas pourquoi. Peut-être c'est la première fois que je fais ça, donc voilà. J'ai peur de dire des bêtises. On peut voir la lune là-bas, c'est super beau. Ah non, mais c'est vraiment super quoi, mais franchement j'adore. Hein. Bon d'accord, c'est du couloir. Il y a peut-être des trucs cachés, j'en sais rien, c'est super linéaire, mais... Niveau ambiance, niveau maniabilité, tout ça, c'est vraiment énorme. Enfin, voilà. Donc, alors, ici, qu'est-ce que je dois faire? Maintenez, orienter vers le haut pour couper les câbles. Il s'est passé un truc, je sais pas quoi, une grosse explosion. Il l'entend jusqu'au Kansas. Ça pue le gaz partout, ici. On a touché une... Allez, on va le surprendre, on va aller tout doucement. Et on voit, c'est quoi ce qui apparaît? Ah ouais, d'accord. Ah non, je sais pas. Je dois faire quoi, là? Appuyez sur Q, appuyez sur R. Non, je peux pas le frapper. Ah ouais, d'accord, donc je dois m'approcher de lui. D'accord, donc tant que je ne suis pas proche d'une cible, il y a mes bras n'apparaissent pas. Donc je peux pas utiliser mes bras. Enfin, j'en sais rien en fait. Lancer des objets sur les ennemis. Donc prendre des objets, c'est ça et ça. Voilà. Empoignez votre ennemi avant qu'il ne reprenne ses esprits. D'accord. Ah ouais, d'accord, j'ai raté. Attendez, hop, voilà, je fais ça. Hop, j'empoigne l'ennemi. Voilà, et j'appuie sur 1. Ok, j'ai compris le truc. C'est bon. Anaconda! Appuyez sur Q pour ramasser les armes de loin. Ok, alors là... Ah ouais! C'est le diable en personne! Attendez, je regarde un petit peu les décors quand même. 1938. En quelle année sommes-nous? Non, on peut pas être en 1938, hein. Non, c'est pas du tout. Cadeau, il est pas mort. Ah, je l'avais pas vu. Ok, je l'ai décapité. Bon, bah, même en parrain, c'est super simple, hein. Franchement, alors, est-ce que je peux prendre ça? Ok, on peut tout prendre, apparemment. Il y avait quelqu'un dedans? Non. Ah oui, oui! Attendez, là, je suis en train de mourir, en fait. Non. N'approche pas de la lumière. Quelle lumière? Je suis en train de tout rater, là, en fait. Allez, je vais jouer plus vite, parce que... Attendez, c'est quoi la lumière, là? Je vais mourir, là. Allez, qui se veut... Qui veut un bon parc-mètre dans la gueule? Toi, là-bas! Oh, merde, je l'ai raté. Je l'ai raté! Oh, on peut prendre la portière, hop. Ah non, je suis mort. Putain. Ok, on rejoint les ténèbres, Jackie. Ok, ok. Allez, c'est reparti. Je prends sur Q, machin. Je le prends avant qu'il se réveille. J'ai raté mon coup. Il faut que je sois plus rapide quand même. J'ai deux de tension là. Et ce que je vais faire, c'est baisser la difficulté parce que faut pas déconner. Faut pas déconner. Voilà, on va remettre en gangster. Et c'est parti. Là, je prends l'arme. Alors, comment j'ouvre là? Je le tue. Je l'ai découpé. De loin. Je crois que je joue trop vite parce que sinon je vais mourir. Ah ouais, mais je peux zoomer aussi. Voilà. Alors, est-ce que je peux prendre des trucs ici, le parc-mètre? C'est parfait.
Bim, voilà, empalé. Toi, ça sert à rien de courir. Merde. C'est un coup à prendre quand même. Attendez, qu'est-ce qui se passe? Cinématique! Ça fait déjà 3 fois que je me fais projeter comme ça à cause d'une explosion. Putain, c'est quoi ça là-dessus? Je me demandais quand t'allais pointer. C'est qui lui? J'ai eu Estacado, il est ici! Tu fais moi le malin maintenant, hein? Non! Salut mon pote, ça fait longtemps. Non, ça ira. Mais merci quand même. C'est quoi cette odeur? Pas savoir. Je suis sorti de ta tête. T'as déjà oublié? Allez, on va jouer. Ah, il a disparu. Ah non, il est là. Alors, qu'est-ce que c'est, micro-Uzi? Ok. Ouais, mais est-ce que je peux avancer, là? Je peux pas avancer, là, pour l'instant. Appuie sur 4. D'accord, donc j'ai un Uzi et un flag. Appuyer sur Q. Ok, détruire. Alors, donc, je dois appuyer plusieurs fois pour détruire. Fléau démoniaque. Ah, il y a plein de trucs, hein. Allez, je vais prendre ça. Appuyez sur Shift pour courir. On peut courir. Alors, je peux acheter des compétences. Voyons voir ce que c'est. Alors, l'essence sombre gagnée en tuant des ennemis permet à Jackie de débloquer des pouvoirs qui le rendent plus fort. Acheter la compétence dévorer des cœurs. Oh putain, qu'est-ce que c'est que ce truc? Maintenez-le près du corps d'un ennemi pour récupérer de la santé et gagner de l'essence. Bah écoutez, on va acheter le premier. Dévorer des cœurs. On peut pas regarder les autres. On est obligé d'acheter le premier, voilà. Utilise NEM pour naviguer entre les 4 arbres de compétences. Ok. La ceinture de combat augmente... Attendez, j'ai pas le temps de lire. La ceinture de combat augmente le nombre de munitions maximales, ok. D'accord, donc il y a plein de trucs. C'est vraiment très bon. Ah non, mais franchement, pour l'instant, moi j'achète. Hein. Ouais, ok. Alors pour basculer d'arbre de compétences... Saisissez les ennemis vulnérables. D'accord. Les pouvoirs de Darkness se rechargent encore plus rapidement. Ouais, d'accord, il y a plein de trucs. Allez, on va prendre ça. Est-ce que je peux le prendre? Je sais pas. Ah mais je peux perdre mes armes en faisant ça. Dévorer cœur, d'accord. Service, à voir si tu peux ouvrir ce panneau électrique là-bas. Allez, sors de là, je vais tirer dessus. Non. Ça je pouvais le faire moi-même. Hein. Ah la vache. Il est où? Il est parti. Il s'est fait désintégrer. Ah mais on peut pas zoomer en tenant deux armes forcément. Oh, qu'est-ce que je fais? Ah d'accord, il faut d'abord l'affaiblir forcément, donc je peux pas le prendre tout de suite. Voilà, on peut dévorer le cœur. Où sort lui? Ah, j'ai peur de tirer sur mon pote aussi. Ah ouais, je peux le prendre, voilà. C'est énorme. Franchement, pour l'instant, j'achète. Je vais quand même garder mon petit flingue. Les deux armes, j'aime pas tellement. Je préfère zoomer. Même s'il y a d'autres moyens plus subtils de tuer ses ennemis. Oh, on peut se protéger avec les objets? Attendez. Non, je
c'est juste une impression que j'ai eue. On peut pas se blesser par contre, c'est bizarre ça. Alors est-ce que je peux faire autre chose? Ah d'accord. Si j'appuie sur dévorer les cœurs, il le tue, je peux dévorer le... Je peux le dévorer en le tenant. Ok. Alors c'est quoi ça? Ah, on peut prendre les corps aussi. Attendez, on peut prendre le corps et dévorer. Ok, je comprends. Pourquoi il tirait pas dessus? Sur quoi il tirait? Ah, Darkling! Darkling, c'est lui, donc... Donc voilà. Pour ceux qui commandent le jeu, auront droit à une tenue supplémentaire pour Darkling. Attendez, je vais mourir, là. On peut pas se baisser! Non, comment on fait pour se baisser? Attendez, je vais prendre le parc-mètre, là, parce que c'est assez efficace, ça. Voilà. Empalé, je récupère les cœurs. Des conneries. Ah non, mais la maniabilité elle est vraiment énorme, hein. Vraiment excellente. Alors sur quoi il tire là? Ok, là c'est tout au ralenti. Peut-être que j'ai fait un coup spécial, j'en sais rien. Frankie Lombardi. Fat Tony. Gros Tony. Allez, on continue. Je vais prendre un truc. On ne pouvait pas prendre? Non, j'ai cru que ça brillait, mais ça ne brille pas. Ça, par contre, je peux le prendre. Ah oui, on peut courir aussi. J'oublie à chaque fois. C'était quoi, ça? Lui, ça téléporte un petit peu n'importe où. Parce que tu ne sais pas contrôler le Darkness. Et maintenant, tu vas perdre tout ce que tu aimes. Parce que tu n'as même pas le bon sens d'accepter tes limites. Massacrez-le, défigurez-le, appliquez-vous. Ok, je croyais que c'était la fin de la démo, hein, j'ai eu peur. Ça j'aime pas le truc assisté là, c'est chiant. Détruisez la source de lumière. Ok. Il est où? Appuyez sur Q pour attraper une porte en surbrillance et l'arracher. Attendez. Ah ouais d'accord, il faut appuyer les deux boutons en même temps. Et là, appuyez plusieurs fois. Ok, ok. Le bras du démon. Attendez. Attendez, je piche pas. Il faut s'approcher de la lumière ou pas? Non, je dois éviter la lumière. Eux, c'est des... Eux, j'évite de tirer dessus. Quoique... Voilà, je peux récupérer les cœurs, donc... Ah non, je peux pas les bouffer, eux, par contre. Je peux bouffer que les ennemis, apparemment. Ah non, je peux pas me baisser. Non, attendez. Que je comprends pas là. Ah oui, on peut se baisser. Ouais, mais ça sert à rien. On peut pas ramper. Non, je comprends pas. Attendez, je vais continuer. On va courir par là. Je comprends pas à quoi ça sert cette lumière. Ah ouais d'accord, ça fait partie du scénario. Je croyais que c'était un truc important, mais non, en fait non.
peux pas le prendre, lui. Il y en a que je peux prendre et il y en a que je peux pas prendre, je sais pas. Non. Mais qu'est-ce que c'est ? Tu vas avoir ce que tu mérites ! Tu vas me niquer ! Tu m'as eu ! Qui c'est qui t'en va ? Victime du Darkling. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Excellent. Ah, attendez. Je préfère pas les tuer. Ils m'ont rien fait. Parfois on peut les bouffer, parfois non. Ça, j'ai pas compris ça. Ah, je joue super mal. Hein. Désolé, mais... Et bon, voilà, c'est la première fois. Hein. Je découvre. Ah, ça n'a pas fonctionné. Il n'y a pas un objet que je peux récupérer, là. Parce que c'est plus sympa avec des objets, je trouve. On va aller voir par là ce qu'il y a. Des trucs cachés. Reliques. Ah ouais, donc ça, ce sont les reliques que je dois récupérer dans le jeu. Il n'y a pas d'interaction avec les objets. Ah, je l'ai bien eu. Ah oui, j'ai oublié, on peut faire le coup. Ah ouais, j'avais oublié ce coup-là. Voilà, bras du démon. C'est super efficace ce truc. Ah non, mais le gameplay est vraiment, vraiment génial. Là, il n'y a rien à dire. Canon. Putain, mais c'est super beau. Et le jeu est vraiment beau, quoi. Alors attendez, est-ce que je peux acheter des nouvelles compétences? Juste pour voir. Alors là, j'ai atterrissage, forcé, utiliser une balafre vers le haut, nananana. Étourdira non, et empoigner le Darkling et lancez-le sur vos ennemis. Allez, ça c'est bon. Alors maintenant je peux empoigner le Darkling. Attendez, il est où? Oh merde, je l'ai mal lancé là. Il est où? Rien récupéré ici. Ça. Ah merde, on peut pas. Ouf. Defender. Allez, là c'est parti. Boum. Oh merde, j'avais pas vu ça. On va essayer de les balancer sur les autres. Voilà. Ça fonctionne super bien, on récupère le cœur, on le bousille et on le bouffe. Attendez là, parce que je m'en mêle un petit peu les pinceaux avec les touches. J'aimerais bien changer mon arme là déjà. Est-ce que je traverse? Allez, je traverse. Bah désolé si j'ai pas grand chose à dire, mais là je savoure le jeu, vraiment. Et je sens la précommande. Oh que oui. C'est super rapide, c'est super fun. C'est super beau. Tout est super. Qu'est-ce que c'était ça? Ah ouais, le cœur dévoré. Il y a quelqu'un qui me tire dessus là par contre. Ah ouais, je l'avais pas vu là-bas. En pleine tête, voilà. Magnifique. Oh merde! Oh! Il ne peut plus en rester grand chose. Hein.
dois aller par là, mais je vais quand même fouiller cette zone. D'accord, on peut pas aller. Il n'y a plus rien à récupérer ici. Allez, on continue. Il y a même des pubs d'époque et tout. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ah ouais, d'accord, je peux voir à travers les murs l'emplacement du Darkling. Et tu pisses partout, toi. Ouais, viens avec moi, il est où? Mais non, je veux pas ça. Ah bah, j'arrivais pas à le choper. Bon, là, y'a rien. Je voulais le tenter en pleine tête, mais ça n'a pas marché. Alors je vais le bouffer. Ah merde, il y en a encore un de l'autre côté. Ah oui, mais là je peux rien faire, donc du coup ça me touche. Allez, je vais essayer autrement cette fois-ci. Voilà. Super efficace le bras du démon avec la roulette. Merde, je suis en train de me faire tirer dessus là. Je peux pas bouger. Enfin, alors lui, il a pas volé. Non, c'est qui me tire dessus? C'est toi là. Bim. Putain, je me fais tirer dessus de tous les côtés là. Voilà. Toi aussi. C'est énorme. Et attendez deux secondes parce que. J'ai pas la visée assistée là parce que ça me semble beaucoup trop facile quand même. Attendez, c'était où? C'était où encore? Et je me souviens qu'il était indiqué. Ah voilà. Ouais, mais à la manette. Je vais quand même le virer, on ne sait jamais. Parce que ça me semble vachement facile quand même. En même temps, c'est sûrement que le début du jeu, hein, donc. Attendez, par où je dois passer là? Par là. Jenny! Bien dansé, Jackie. Non! L'autre ne peut pas mourir. Je sens la fin de la démo. Peut-être pas. Allez, encore un petit niveau, s'il vous plaît. Jenny est morte. Je pourrais pas attendre jusqu'au 10 février. Donne-moi le Darkness, sinon ta chère tante Sarah va crever. Je peux pas. Ne me laisse pas le choix, je vais utiliser le siphon pour te l'arracher, Monsieur Pivis. Les rituels de liaison sont presque prêts. Ça ne sera pas long. Bien, continuez à le travailler. Je veux l'affaiblir au maximum avant le début du rituel. Ah merde! Alors là, je ne fais rien. Cinématique. Excellent. Ouf! Putain. Là, je pouvais rien faire. Si? Non? La chair est ta faiblesse. À mon avis, j'ai perdu. D'accord. Alors. Alors là, je dois faire quoi? Tirer dessus. Voilà. Tu la lumière. Et non. Tu la lumière. Allez, meurs la lumière. Ah non. Voilà. Le siphon. Sortez et fermez cette putain de porte. Ah là, je peux rien faire. J'ai voulu te laisser une chance, Jackie. Ne dis pas que je ne t'ai pas laissé le choix. C'est toi qui l'as voulu. Et tu as condamné ta famille. Je voulais seulement t'aider. Tu ne mourras pas, Jackie.
Le Darkness ne le veut pas, mais quand tu sortiras d'ici, Tantsara sera étripée et désossée, et tu n'y auras rien gagné. Pense à quel point tu es impuissant, car la prochaine fois, je ne serai pas aussi gentil. Wow, 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 wow. Ok, bon, bah voilà, c'est fini. Alors, je suis pas très habitué de faire ce genre de vidéo, vous l'aurez remarqué. Mais bon, voilà, c'est fait, je suis très content de l'avoir fait. Et c'est sûrement un jeu que je vais précommander, je le sens, je le sens. Bon, d'un côté, le prix, c'est 49 euros. J'imagine qu'après il coûtera dans les 60 euros comme Call of Duty Modern Warfare 3. J'en sais rien, mais voilà, moi je vous le conseille. Maintenant, ce que je vais faire, c'est regarder d'autres vidéos, d'autres testeurs pour voir ce qu'ils en ont pensé. Et puis voilà, mais en tout cas, pour moi, de mon côté, c'est du tout bon, c'est excellent, et voilà. J'aime beaucoup. Et je vais essayer de me renseigner sur le premier The Darkness que je ne connaissais pas du tout avant de découvrir ce jeu-là, voilà. Allez, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Et à la prochaine. Salut, salut !